Lundi 2 septembre 2024. Gros bonjour, bonsoir et pour nous toutes, Nami Koa. Et c'est toujours Zamano, serviteur. Nous merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes, gagnons pour l'autre. Et toute équipe là, à la ronde badet, nous comptons à contraire. Nous pourrons faire une transmission journal méga matin, méga, c'est Pigou réseau radio haïtien qui est sous la Tébini, avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. Web TV, Radio Mega, Go Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville. Invité à écouter Méga Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Lundi 2 septembre 2024. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le premier paraître journal Méga Matin pour moi, septembre. Nous comptons rentrer la caillou déjà dans un bon mois d'information sur antenne Radio Méga. C'est toute équipe là qui va mettre un journal là. Yves la caillou, Marcel Joseph, dans mise en nom de la micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévier, avec Dadio Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Toute équipe là très content ensemble avec vous matin pour porter pour journal Méga Matin. Amis auditeurs, mais quelques principales informations n'a bien pour nous porter pour notre journal là matin. Question opération la police qui après poursuivre dans Bel Air Solino avec Badelma. Week-end sa directeur général PNH Anomil Rameau te visite policier cap bataille sous terrain yo pour capable encourager. N'a rappelé opération ça rejoindre support force multinationale là non communiqué hier dimanche là. Mission confirmée, il n'y a pas participé dans sa yurelle opération nettoyage dans Solino, Delmac, Bel Air. Mission Kenya prêt à aller mener opération surtout sous terre, sous la mer pour libérer Routio pour tout le monde cassé qui est libéré d'après un communiqué. Il y a une plateforme citoyen engagé rappelé KPT à Gary Koni, c'est sécurité, c'est gros préoccupation citoyen haïtien yo. Tous des branches exécutives là doivent mettre tête ensemble pour sauver transition ça. Selon Valérie Dutreuil, Anthony Blinken t'a dû débarquer dans le pays d'Haïti 5 septembre qui a venu la président pendant visite ça un jour secrétaire d'État américain pour rencontrer le président capitaine Gal Leblanc fils à premier ministre Gary Coney engagement États-Unis pour supporter bataille contre gang à quelques autres points à la mi-temps discussion selon information yo gagner la organisation sociopolitique nous conscient by parti politique yo 48 heures pour mettre dehors conseiller qui impliquait le scandale BNCA, selon nous conscients, il n'est pas normal pour trois messieurs Sayo continuer à passer dans KPTA pendant Noyo, cité le scandale BNCA. Monsieur sénateur Jean-Charles Moïse a dit le pape Lague et puis Emmanuel Vertiller pour un dossier accusation sans preuve. Dossier ça c'est un complot pour déchirer qui voulait caper en façon l'État faux. Déclaration ancien sénateur Jean-Charles Moïse. Information n'a bien pour nous partager ensemble avec vous dans le journal Méga Matin. Jeudi a gagné Gary Coney. Il critiquait certains ministères de cour MSPP avec TPTC qui n'a pas respecté ce qu'il est 15 juin 2024 là. Qui m'a dit pour chaque ministre une autorisation PM non. Pour faire nomination primatiment des ministres finances là. Prendre disposition pour corriger dérive ça y est dans le ministère. Gary Coney saute pour changer façon pour nommer un directeur général d'administration publique là. Trois noirs proposés pour chaque poste, sac pi qualifié ou abjoint job là. L'autre information n'a gagné pour nous partager ensemble avec vous aujourd'hui à la journal là. Donc, sous initiative construction opposition ICRO, c'est un nouveau projet politique qui est plus inscrit qui mettait tête sous pied dans le pays, mouvement populaire ou la jeunesse, force CIDES, bloc progressiste opposition, c'est parmi trois, parmi eux, en quarantaine mouvements qui ont d'un projet ça. ICRO proposait une résolution pour mener le pays dans l'autre transition qui a bien en tête li, on juge d'un coup cassation. Gagné un ministère d'éducation nationale
la formation professionnelle qui publie résultat 9e année pour 6 départements. Jusqu'à présent, c'est Nord qui dévoile 90% réussite. D'ailleurs, tout de suite, Vini Nord-Est. Il y a un processus subvention 20 000 gouttes, ministère éducation nationale là, a pas avancé pour plus passer 100 000 timoun l'école nationale et communale déjà inscrit d'après responsable dans ministère éducation nationale. C'est pour ça qu'il y a diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal la matière, amis auditeurs, mais pas oublier n'a pas pour nous promettre pour nous capables de traverser avec. On connaît combien de gouttes besoin pour capable de chanter l'américain dans le journal aujourd'hui. N'a pas pour nous porter pour week capsule santé Red Machine n'a donné. Malheureusement, c'est avec information ça, nous avons commencé dans un journal là, question compatriote nous, malheureusement, qui victime République Dominicaine suite à un accident qui fait. Mes amis auditeurs, on a venu avec plus de détails pour dans un journal là. Et j'en nous dis au l'homme, il y a plus passé 10 monde qui mourir, qui ont traité un lot, sauté blessé, non, accident qui fait, République Dominicaine, non, accident circulation qui fait, fait la cause, 11 monde mourir, à 30 ans, l'autre sauté blessé, hier dimanche, là, non, municipalité, la CIAS, République Dominicaine, sur l'information, yo, accident, ça produit après un camion qui était rempli, avec un avocat, t'es frappé, yon bar, côté t'es gain plusieurs moun, et bilan partiel, là, il fait état, 11 moun qui mourir, puis on 30 l'autre blessé par mes victimes, yon gain un militaire, avec un policier nationalité dominicaine. Selon la presse dominicaine, majorité victime, yon c'est un garçon, yon jeune fille, 20 l'année, avec un adolescent, 17 l'année, parmi blessé, selon directeur pour provincial santé Azoa, Joël Montano, la plupart blessés, yo transporté dans San Juan. Pour qu'on ait à la page, aucune information dans ce qui concerne les ressortissants haïtiens qui victimes, qui a parmi victimes, yo. N'a pas quitté dossier ça, n'a pas vini là, dans le pays à Nouvelle-Yo. Il y a divers bandits qui tombaient dans l'école, dans Delma 24. Donc, au moins 4 bandits, eux-mêmes, tombés dans le cadre d'échange avec la police nationale d'Haïti, dans Delma 24, dans l'après-midi, samedi 31 d'août 2024, là. Donc, selon citoyens, dans zone Sayo, individu Sayo mouri. Donc, dans l'école Paul Locha, donc, c'est là, donc, individu Sayo, eux-mêmes, ils ont établi quartier général yo. Donc plusieurs bandits blessés dans un échange coup de balle également avec la police selon source. Donc radiographie ou même yo t'a fait confiance. Donc des policiers kenyans yo dans mission multinationale, police haïtienne là yo même également yo continué à mener des opérations dans Solino, dans Bilair, dans Delma 24 et zone qui pas loin yo dans l'idée pour combattre nèg avec zam Sayo qui achete zone Sayo l'argent comptant et n'a pas rappelé diverses zones Sayo société là c'est fief vivre ensemble Jimmy Chérizier également a dirigé n'a pas toujours été avec question opération autorité policière yo a mené amis auditeurs puisque gagné directeur général PNH là qui a été visité policier yo pour avant yo te allé dans opération n'a vini avec plus de détails sur ça amis auditeurs rapidement gagne directeur général IPNH la Ramo Nomi lui-même qui lui-même motivé policier qui engagé dans opération policière y a mené là donc commandant chef PNH la Ramo Nomi réalisé lui-même là en séance parler avec policier Sayo avant même yo aller soulier opération yo dans quartier Belin à Solino donc directeur AIP
PNH là. Donc Rameau Normil li profiter pour motiver troupio pendant saluer courageux sacrificio. Donc un policier Sayo même qui est engagé dans l'opération intervention policière Sayo dans l'idée pour capable continuer mais démanteler foyer gangio tout partout un pays à côté nèg avec zam acheter l'argent comptant. Engagement pour nous résoudre le problème gangio en Haïti a pas agi a commencé d'après un communiqué mission multinationale là sorti mission ak PNH a fait opération nettoyage dans Delma Belle Solino ak zone qui tout près lio pour rete gang yo et puis rétablir normalité dans zone qui mentionné mission vle remercier peuple haïtien ak tout partenaire yo pour support continuer la engagement yo yo montré depuis commencement point principal opération sécurité dans Port-au-Prince nous remercier gouvernement États-Unis pour support continuer li qui répond appel nous pour équipement en plus mission recevoir machine avec équipement en plus pendant dernière semaine là qui fait opération ensemble entre personnel PNH avec mission vienne à pas avancer moi veux répéter opération pour combattre et éliminer activité gang à travers tout Haïti prend forme pendant n'a noté c'est pas un processus ça qu'on voyage qui besoin tout le monde marcher ensemble ça pourra permettre nous réaliser objectif final en ce qu'on nous connaît avec vision qui prévoit dans résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies officiers nous y aurait été engagés dans mandat yo et puis yo respecté professionnellement loi internationale droit monde j'ai mentionné dans politique diligence responsable droit monde ça c'est pour assurer garantie sécurité civile rete priorité numéro 1 non opération pacifique qualification yo pral fait par l'en mette ak en lait dans nettoyer principalement route à clari pour permettre moun ak machine si ki libé ça pral permettre opération sécuriser fait sorti dans route en route sorti dans l'arrière et puis sorti dans caille ak pa caille pas quitter aucun espace pour gang yo opérer. C'est peut-être ça gang yo pas gain des voix pour gang yo gain des voix pour déposer zam et puis remettre yo bay gouvernement pour faire face à la loi. Nous continuons à décider pour peuple haïtien, autorité haïtienne avec divers partenaires yo pour permettre nous rétablir sécurité puis améliorer conditions pour faire élection libre à Gis. Mission été solide et complètement engagée dans mandat diligence à Clément mentionné dans résolution 2699 là à travers PNH ça pour assurer yon nouveau Haïti, bon Dieu béni Haïtien yo, bon Dieu béni PNH là, bon Dieu béni mission en Godfrey Otunge, responsable mission comme en force multinationale là. Donc, voilà, responsable yo annoncé apparemment pralgué des opérations sous la mer. Donc, on dit, il y a des matériels pour ça. Voilà, donc nous connaissons un pile player sous question. Moyen pour permettre force multinationale avec PNH là. Yo même yo continue avec série opération yo gagné dans pays à n'a pas venu avec communiqué ça Port-au-Prince 30 d'août 2024. Ministère Défense et Force la médaille d'Haïti a livré informé public en général et postulant yo en particulier donc épreuve intellectuelle pour concours d'admission classe soldat dans FADH là l'a pas déroulé dans collège canado-haïtien. Donc c'est hier dimanche 1er septembre 2024 là d'après détails responsable Yoba est-ce que véritablement donc l'idée ou les concerne pas connaît même épreuve intellectuelle yo t'as fait trois tranches aurait ça yo 8h30 10h30 11h donc 2h jusqu'à 4h donc postulant ça yo également donc responsable yo t'a demandé pour yo vérifier aurait qui attribué avec yo dans salle classe yo pendant examen ça yo donc l'idée yo impératif pour vous présenter donc une à l'avance pendant l'heure yo gagné pour venir composer d'après groupe yo là d'ailleurs non yo inscrit donc tout monde qui absent et a pas considéré comme au monde qui désistait définitivement donc postulant ça yo doué gagné dans main yo un fichier d'inscription en plume bleue donc ainsi on carte d'identification avec une photo dans sens ça c'est ça c'est des détails responsable yo partager sous question examen qui t'est gagné pour des monde qui envie venir dans l'armée d'Haïti.
On nous aller dans la rue avant nous venir avec l'autre information dans le journal, les amis auditeurs. Zone Cafou vs Cafou Douya, qui j'en levé pour matin. Bonjour Jean-Michel, Josieu, nous avons venu avec Jean-Michel, Josieu, qui pral dit nous, est-ce que l'impossible pour le capable traverser sans difficulté dans zone Cafou vs Cafou Douya, après ça, pour nous capable venir avec toujours réaction qui a fait sous question insécurité, amis auditeurs, réaction qui a fait toujours sous question insécurité, nous avons pour nous venir avec information ça pour vous, puisque Jean nous a la réaction qui a fait. Nous parlons avec Jean-Michel Josieu qui parle dit nous, est-ce que le possible pour capable traverser? Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Oulet Sévère, bonjour Dalo Daniel, bonjour, bonsoir à tout le monde, son plaisir pour capable informer aux gens au niveau de route nationale là, numéro 1, précisément comme une cité soleil, mais faut nous pour matin là déjà gagné circulation qui commence la route cela même de commencer à baisser ça au niveau de là sur occasion de déjà remarqué qui gagné quelques citoyens qui peut-être traversé à pied, mais pour gagner camionnette qui répond en présent dans la zone si là, mais au moment qui était sur traversé pour matin pour personne pour faire en pile prudence. Vous avez quitté Kazo, vous avez commencé à aller au niveau de rue, jamais à ras, la nerette, la coubette. Même quand vous avez ensemble, vous avez sans problème, mais vous avez gagné pour traverser au niveau de Kafou, j'aime bien vous jouer en pile Marel via Fatra, le salon, la boue, Captaïbe, dans la toute zone. Si là, t'as semblé mairie, par exemple, de ça, mais nous avons même qui est intéressé pour traverser, on peut faire ça sans problème. Devine, regardez comment ça y est tout au niveau de Kafou, Ara, là, déjà gagné plusieurs camionnettes. Qui répondent à présent, ou même tout qui t'a remis tes têtes au niveau de centre-ville, même qui t'a remis tes têtes au niveau de toi, même j'ai une camionnette qui pour aider ou traverser. Peut-être qu'il était Kafou, arrête, vous regardez comment ça est au niveau de Kafou, Vessa, sur Kafou, Vessa, même qui est clé, sans problème, déjà, il y a une circulation qui a fait dans un instant, déjà remarqué quelques grandes camionnettes qui sont sorties au niveau de 9-4 mètres de tête sur route nationale numéro 1. Et là, il y a quelques grands citoyens qui campent, captent la camionnette, qui pour aider à traverser. Regardez comment ça est tout au niveau de Kafou Douya, mais ce Kafou Douya qui levait sans problème pour matin, malgré Kafou Douya fait noir. Ou là, comme déjà gagné, ce qu'il a fait dans la zone, c'est là, quelques grands citoyens captent et traversent. Et même qui est sur traverser, oui, on peut faire ça. On bien pour faire un peu de prudence, on connaît Kafou Douya, ce zone qui est très, très, très sensible. À tout moment, la situation est capable de changer. Donc, après, là, regardez comment ça est tout au niveau de toi-même, précisément devant son appui. Mais nous sommes capables de là, déjà, gagner quelques grenades. Si machin qui est bon présent pour démarrer avec activité commerciale, et là, tout déjà, gagner quelques grenades camionnettes, nous remarquons qui est bon présent, moi qui peux aller au niveau de Kafou de l'aéroport, moi qui peux aller, également, moi qui peux aller gérer la bataille. On a une camionnette qui peut aider ou traverser. Mais c'est pour ça, ça ne peut pas m'arrêter lundi de septembre 2024, là, ou même qui est intéressé à traverser sur route nationale, là. Numéro 1, oui, ou pas faire ça, mais on vient pour faire un pile, plus dans ça. Non pas moi, c'est Jean-Michel Josué. On n'est pas vraiment. C'est pas pour demain. Bonne journée, bonne semaine sur Radio Méga. Merci en pile avec collaborateur nous Jean-Michel Josieu qui t'a dit nous qui j'en saillé dans zone côté des passés notamment Kafou Vincent Kafou Douya avec Jean-Michel ou saute gagne tout petit détail dans un journal là. Nous avons poursuivi avec information, j'en ai noté pour mettre tout ça. Nous avons venu avec intervention maître Valérie Dutrejac qui parlait sur plusieurs dossiers, notamment question sécuritaire, mais question scandale, corruption, BNC. Mais avant, nous venons avec intervention le fait sous question sécurité. En plateforme citoyen engagé quoi sécurité, c'est plus gros priorité premier ministre l'an pays, premier ministre capitaine de comprendre ça. Moment pas pour parler pile selon maître Valérie Dutrejac qui exigeait publication encore 3 avril pour éviter pouvoir traîner pied, pour faire plus temps sous un pouvoir. Dirigeant politique a souhaité un mariage capité avec PM pour aider sauver transition. Nous invitons au côté maître Valérie Dutrejac. Monsieur, à un moment donné, que monsieur, le programme politique, je vais payer là. Qui ça qui doit faire? Monsieur dit agriculture. Je dis, nous avons prêté mot pour nous dire même bagaille. Je dis, plus gros problème, c'est insécurité. Cependant, pour
voyez, vous avez besoin d'un signal pour montrer que aucune de les élections, c'est de bonne guerre. Comme moi, pas en d'un pouvoir, malgré qu'il soit actif dans le pouvoir, et qu'à cause du concret que m'assumer, je parle les stimuler, je parle les pousser pour eux, même les temps de résultats, vous avez besoin de résultats. Donc, nous, si nous sommes dans la main, pas de temps encore, parce qu'il y a pire dans la demeure, pour qu'il y ait des actions qui fassent qu'il y ait des résultats. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de choses médiatiques, d'immédiatisme, et puis pendant ce temps, la population a coupé dans la misère, la population n'a pas qu'à niveler sur une jeune population, toujours à faire une peur, et la vie vite sacralisée, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin au moins son tradition qui prend responsabilité, qui va être régalien, et ensuite qui crée des conditions pour qu'on des élections libres, honnêtes et libres. C'est ça que fait tout. Donc nous insister pour décréter un bilan capable public. Parce que l'intervalle compte tenant et aboutissant. Parce qu'on transition n'est pas qu'à interminable, on transition le bon mandat, qui fait ça que la jeune là-dedans, comme Trump, et qui a pris de nous, on transition le bon durée, qui n'est pas qu'à 4 ans, pas qu'à 5 ans, pas qu'à 6 ans, c'est pour un mandat élu, on transition, lui, gagner un ensemble de bagages là-dedans. Donc, décret ou agilant de Bailly, ou après que dans le décret ou agilant, ça fait une carte de la République. Dès que tu as dit, on parle du COCAD, parce qu'on n'a pas gagné la République, on n'a pas gagné le contrôle là-dedans. Sinon, c'est désordre de la pagaille. Il faut qu'on gagne la pied. Et même des structures qui ne parlent pas de la transition pour qu'on ait qui sont capables de faire une baleine, ou au moins transition qui a réussi. Nous-mêmes, côté nous, c'est que cette transition, c'est pas transition, c'est PT, c'est pas transition, et pour une galéconie qui chef de gouvernement, chef de PSPL. C'est transition toute une population qui a coupé, qui a pourri dans les airs, qui dit que pas capable encore, l'élevage de Biden, il va comme ça vous le fait, nous avons deux doigts pour capable de gagner un suicide collectif. Donc, pour chaque monde de responsabilité, et nous-mêmes, comme nous-mêmes, dans la démarche financière, c'est pour une démarche de gagner, nous avons assuré et assumé son responsabilité à chaque temps fou, à chaque moment de soi. Que faire dans ça? Que faire? D'abord, il faut bien synchronisation entre le CPT et la primature. Parce qu'en termes de planification, comme nous disons, c'est surtout l'habitation publique, il y a l'autre planification pour qu'on ait résultat besoin, il y a la planification stratégique, c'est-à-dire que c'est nous qui enlèvent le CPT et la primature. Il y a la planification de coordination, il y a la planification d'opérationnalisation, c'est lui-même qui va avoir le résultat qu'on a besoin. Donc, si planification par des synchronisations, c'est tiré avec des CPT primature, donc c'est sûr que on a gagné un pouvoir qui désarticulé, un pouvoir qui pas synchronisé, et le ça c'est peuple qui a payé pour casser. Comme nous-mêmes, nous, la comme leader émergent, comme leader qui pas traditionnel, comprendre ça, on a toujours tiré son dans la main, et mon cher, s'il le faut, on a pris un bateau pour les Renault, et on a fait même des alliances qui capables de faire des alliances, même pas parce que des alliances, même avec Lucifer, avec Bimambou, bien sûr, pour nous assurer que tradition ça, nous réussissons à 5 000 de l'émission, et s'il le faut, à bon première vague qui passait, à bon deuxième vague, mais ça a mis la société, population la plus exactement à l'éjeun, en termes de service qui est gagné, et en termes d'élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques. Plateforme citoyen engagé quoi, sur exigence pour capter à quatre. Pour capter à quatre premiers, Gary Coni fait lumière sur le dossier scandale BNCA pour sauver transition. Coordonnateur par Formelin, Valérie Dutré-Jacques, si lumière parfaite sur le dossier ça, la BTPIA, en état, ULCC, quoi, travail rapide à dossier ça, selon responsable qui mettait toute option sous table à tout coup, démission, prison et la trier, n'a pas coûté le micro romanais, ça samedi.